Bonjour et bienvenue dans ma première FAQ. Bonjour. Donc voici quelques questions que on m'a posées en commentaire. Donc c'est pour nous connaître un peu mieux et je pense que ça peut être chouette pour les futurs vlogs. Comme ça, vous comprendrez mieux de quoi on parle quand on parle de certaines choses. Donc première question, allaitement ou biberon? Donc pour celles qui me suivent, vous avez certainement compris que ce sera allaitement. Et j'espère que je pourrai allaiter et que tout se passera bien. Lucie aura-t-elle des deuxièmes prénoms? Bravo! T'es bon! Qui est comme ça? Qui tout le temps? Sur un ballon en fait. Penses-tu recommencer à travailler rapidement après la naissance ou pas? Alors, comme je suis entre guillemets indépendante, dès que je. Ouais. Je retravaillerai dès que j'irai mieux en fait. Dès que ça ira, c'est pas de moi. Ça va pas. Si ça avait été un garçon, vous l'auriez appelé comment? Non, c'est pas très. Adrien peut-être. Ouais. On était parti sur ça et on était pas super chaud. Mais. Bizarrement, on avait déjà mis notre fille et passé les billets sans savoir c'était quoi le sexe. Dans quoi travaille Anthony? À la base, je suis électricien de maintenance. Mais là, depuis peu, je suis fileur au poste de production. C'est fileur de la fibre de verre. Et prof de gym. De gymnastique acrobatique. Artistique, féminine. Voilà. Comme ça, c'est con. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Ça fait long. Comment vous vous êtes rencontrés? Ça, j'ai pas oublié. Je marchais dans la rue. On s'est regardé un regard. Depuis, on ne s'est plus quitté. Bah si c'est vrai. Prochaine fois, la première fois qu'on s'est vu, ça fait bonjour. Comme ça. Voilà. Comme ça. Après, voilà. C'est bon. C'est passé à coup de fou. C'est un enfant désiré? Si oui, tu as mis combien de temps avant de tomber enceinte? Je sais pas, 2 mois. Non, un peu plus. Un peu plus. C'est un enfant totalement désiré. On en a parlé pendant bien un an et demi, 2 ans. Et puis au mois d'août, on s'est dit allez, c'est bon, on se jette pas. Et puis après, il y a eu septembre, octobre, novembre. En décembre, 4 mois. En décembre, je suis tombée enceinte. Bon, ça va, 4 mois. Il y en a qui mettent un an, on va tomber enceinte. Donc ça va. Tu travailles dans quoi? En fait, à la base, avant que je tombe enceinte, j'ai toujours travaillé dans les enfants. Et j'étais partie pour faire des études pour être éducatrice. Mais comme mon début de grossesse s'est pas bien passé, je suis plus allée pendant 1 mois, donc je me suis virée. Comme une gamine de merde. Donc, voilà. Je fais des grimages pour les enfants. Ça fait pas très longtemps que je fais des grimages pour les enfants, mais ça marche bien. Et ça fait 3 ans que je fais du maquillage FX horreur bien dégueulasse. Comment ton entourage l'a pris, surtout le papa? La famille, comme si. Les amis, ils étaient contents. Moi, ma mère était contente. Ouais. Elle était super contente. Moi, j'aurais préféré une meilleure réaction de mes parents, mais. Enfin, avec. Et toi? Et ton papa, je sais pas, il a réagi comment? En fait, ils étaient peut-être.
Ils étaient tellement perturbés par autre chose à ce moment-là que c'est un mois plus tard qu'ils là ils ont fait quelques annonces. On est contents. Mais m'a juste dit que tu as pris ma fille, tu ne prendras pas mon chien. Hein. Parce que son chat, il l'aime bien. Et toi, comment tu l'as pris? J'ai filmé hein, quand je lui ai annoncé. T'as un petit jeu et tout. J'ai pas mis complètement bizarre. En fait, j'ai bugué. Ah oui, oui. Donc je montrerai pas la vidéo parce que c'est un peu bizarre quoi. Moi, je pleurais et lui, il était là. J'étais émotif pour nous deux, mon bébé. Pardon. C'est la mise en ligne, mais... Non, je... On va garder ça pour nous. Avais-tu une préférence pour le sexe? Ouais, je voulais... Dis! Ah, c'est pas ça. Non. J'aime beaucoup le visage. Arrête! J'aime pas. Ouais, moi, je voulais... À la base, j'étais plus pour un garçon. Mais quand j'ai su que c'était une fille, ben en fait j'ai pas du tout été déçue quoi. Fille. Mais j'étais quand même contente de me dire c'est quand même petite fille, c'est quand même chouette quoi. Et quoi, tu pleures lors de l'accouchement? Pas de peur de quoi? Quelle Moi que je meurs moi? Non, moi j'ai pas peur de mourir. Moi j'ai peur de l'épisio. Voilà. Et heureusement, ma gynécologue, j'espère qu'elle sera là, qu'elle sera dispo quand je vais accoucher. Parce que heureusement, ma gynécologue est pas du tout portée là-dessus. On va discuter. Donc si on peut l'éviter, on l'évite. Quoi. Montreras-tu ta fille sur YouTube? Ah, ça justement, je vais en parler. Quoi. Voilà. C'est pas que moi qui dis. Limité quand même. Pas tout le temps. Pas comme les blocs que je regarde. C'est ça. Ben. C'est pas les images. Moi, ouais, c'est pas la façon. On fait du tri, hein. C'est j'ai déjà vu certains que je suis pas d'accord et là, c'est trop quoi. Comme les petites sur Instagram et tout ça. Ah oui, non, mais c'est pas pareil. Ici, de toute façon, au bout d'un certain temps, si la petite elle a plus envie d'être sur YouTube, elle a plus envie d'être sur quoi. Bah, toi, qu'on la filme, tu vois. Oh, ouais, elle fait 6-2. Ouais, allez, mon bébé. Bah, en fait, on verra. Je pense qu'on verra. Maintenant, comme j'ai pas beaucoup d'abonnés. Quel âge as-tu? Oh, moi j'ai 17 ans, elle en a 15. Oui, bien sûr. Moi j'ai 24 ans. Et toi? 17. Tu veux pas dire ton âge? Oui. Tu veux pas dire ton âge? Pourquoi? Tu vois, quand on est chez le médecin, quand on est malade, qu'on doit dire un chien. J'ai l'âge du Christ. Oh, je sais, je comprends mon âge. Maintenant, c'est l'âge du Christ. Ah là là. Donc ouais, on a 9 ans d'écart. On dirait pas, hein. On dirait que je suis plus vieille que lui, hein. Dur, hein. Après ton accouchement, feras-tu des vidéos style bilan 1 mois bébé, produits fini bébé, mes astuces, vlogs? Alors, etc. Alors les vlogs, ouais, ça c'est sûr que je continuerai. Bah en fait, ce qu'il y a, c'est que comme j'aimerais bien me remettre vachement en forme, que ce soit alimentation et sport intensif, parce que j'ai envie d'essayer plein de sports que j'ai jamais essayé et qu'il faut que je me remette en condition pour pouvoir faire ça. C'est quoi les sports que j'ai jamais essayé? Bah les escalades. Du kayak. Non, ça je n'ai jamais fait. Mais j'aimerais bien faire plus intensément quoi. Plus loin, toujours plus. Toujours plus haut, toujours plus haut. Ouais, mieux quoi.
Alors vous allez me dire, oh, t'auras pas le temps. Mais bon, moi je prendrai le temps. Et le fait de faire des vlogs, bah, ça m'y tiendra. Ça, j'aurais pas le choix, je devrais vraiment le faire. Parce que j'aurais les vlogs à prouver, quoi. Un truc comme ça. Celle-là, je vais la lire, moi. Feras-tu des swaps avec des mamans youtubeuses ou des inconnus? Bah oui, ça peut être cool, surtout si c'est en France, vu que nous on est en Belgique. Des swaps? Oh, je te montrerai une vidéo. J'ai pas commencé à t'expliquer. Mais ouais, ça peut être cool parce qu'on n'a pas du tout les mêmes magasins et on peut trouver différentes choses. Ça peut être cool, quoi. Tu peux lire ça, Jess. Si tu as la possibilité de rencontrer des mamans YouTubeuses. Laquelle voudrais-tu rencontrer? Oh, bah plutôt mince, blonde, jolie. Oh, il connaît pas, il regarde pas. Mais moi, je voudrais bien rencontrer. Non. C'est pas. Il est con. J'aimerais bien rencontrer les grosses parce que on n'aime pas les mêmes choses. Donc, je pense qu'on pourrait bien s'en. Enfin voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Je vous fais des gros bisous. Salut !